que le jeune Jéroboam titube et s'efforce d'avancer avant que le jour ne se lève. Une lueur étrange envahit peu à peu le ciel rempli d'étoiles. Un grand visage apparaît et regarde cet homme minuscule grignoter des dunes comme une fourmi courageuse, mais perdue. La chevelure du visage s'agrandit et interpelle le jeune homme qui voit là un signe rare et prometteur. La lumière se concentre en un point à l'horizon. Géraud écoute son cœur et prend cette direction. Pas à pas, un peu plus loin. C'est lourd. Marcher encore, mais vers où? Tout devient flou. J'ai tout perdu. J'ai si soif. Cela fait 3 nuits que je marche. Le jour est trop chaud. Et les mirages sont trop nombreux. Mes rêves me portent. Mais je doute. Je ne sais pas d'où je viens. Ni où je vais. Quel est le chemin à suivre? Impossible de m'enraciner dans ce sable fin et sans fin. Pas question de s'installer, de s'allonger. Je veux comprendre ce qui s'est passé. Mais je ne sens plus mes jambes. Chaque minute est longue. Chaque pas est lourd. Plus lourd que le précédent. Chaque pensée résonne comme l'écho d'un cri face à la montagne. Marche ! Mais pourquoi ? L'effort est dur et engourdit au fur et à mesure les jambes du jeune homme. Au crépuscule, il perd connaissance. Sa petite sœur rit tellement. Elle a l'impression de s'envoler à chaque vague qu'il apporte. Géraud regarde la mer, mais chaque vague qui se casse est un frisson qui lui parcourt l'échine. L'immensité lui fait perdre pied. Depuis sa tendre enfance, la mer l'effraie au plus haut point. Et s'il se noyait? Et s'il était confronté à des créatures inconnues et terrifiantes? Géraud détourne le regard et son esprit se pose ailleurs. Que fait mon père? Ça fait déjà plusieurs jours qu'il devrait être de retour. Il avait promis de me parler de son fameux trésor. C'est à ce moment que sa mère l'interpelle et l'envoie chercher de l'eau pour le souper. Géraud obéit à contre-cœur et prend le chemin du village. À son arrivée, tout le monde fait la file sur la grande place. Géraud, curieux, s'avance.
Il entend la rumeur des villageois. Un homme parle plus fort que les autres. Cette eau est impropre! Géraud se fraye un chemin pour mieux les entendre et marche vers l'avant de la queue. Une petite femme s'exclame à son tour. Ma vache est tombée malade hier en buvant cette eau! Mais où est le sorcier? Il va nous aider à trouver une autre source accessible! Dit un autre. Il arrive au bout et voit Balthazar, le plus prospère marchand du village. Balthazar parle haut et fort. Calmez-vous! Calmez-vous! Vous pourrez vous fournir à ma source pour une somme modique. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens, toutes sortes d'arrangements sont possibles. Géraud intervient. Pas besoin de payer pour l'eau! Mon père vous trouvera une nouvelle source! Balthazar réplique. Mais je te reconnais, toi! Tu es le fils du sorcier, celui-là même qui s'est enfui après avoir souillé la source. C'est lui, c'est son fils. Attrapez-le, attrapez-le! Un homme s'empare aussitôt de lui. Par le soleil. Géraud se réveille difficilement. Son cauchemar est fini, mais la réalité est plus dure encore. Soulève Géraud et le pose sur son animal. Toujours mort de fatigue, le jeune homme s'endort. L'homme derrière le visage flou, c'est Melchior, un marchand au corps érodé par le vent. Sur son dromadaire, il travaille quantité d'objets en tout genre qu'il revend sur les quais du port. Ce qu'il aime le plus, ce qui l'amuse en tout temps, c'est de faire vibrer son oud sur le dos de son dromadaire. Son âme chante encore l'amour de sa femme disparue.
possible. Géraud rouvre les yeux en voyant scintiller le soleil sur les vagues. Ils sont à présent dans une ville au bord de la mer. Melchior lui demande « Que faisais-tu dans le désert ?» Géraud lui explique « On m'a enlevé et abandonné dans les dunes. Dans le village d'où je viens, mon père est un homme connu. C'est le sorcier. Il apporte l'eau aux gens qui ont soif. Sans lui, personne ne pourrait vivre. Il y a quelques jours, la source du village a été souillée. Je suis certain que c'est Balthazar qui l'a fait pour pouvoir vendre son nom et s'enrichir sur le dos des villageois. Après m'avoir battu et laissé pour mort, les hommes de Balthazar m'ont abandonné dans le désert et se sont moqués de ma famille. Ils m'ont dit avoir envoyé mon père de l'autre côté de la mer pour le vendre comme esclave. Je suis à sa recherche. Il ramènera l'eau et prouvera que Balthazar est un ignoble manipulateur. Dans ce grand malheur, Géraud, tu as peut-être de la chance. Tu as devant toi un vieux commerçant qui connaît tous les marins de ce port. Viens, on trouvera bien ton chemin. Melchior sort son matériel et le pose sur un étalage. Un homme pressé est un homme déjà mort. Il offre à Géraud une sansa pour l'accompagner dans son voyage. Certains savent donner, mais il faut aussi savoir faire preuve de générosité pour recevoir. Sans chercher à comprendre les paroles du vieux marchand, Géraud part et tente de trouver la piste de son père. De kiosque en kiosque, de bateau à l'autre, il questionne tout un chacun et cherche des indices. La journée avance et Géraud perd espoir. Le soir venu, une vieille dame qui passe par là comprend la détresse du jeune homme. Ce matin, j'ai vu un bateau qui aurait pu embarquer ton père. Il est parti tôt. Il apportait des amphores immenses. Si tu prends cet autre navire, celui situé au bout du quai, tu le rattraperas sans doute. Malgré la piste, Géraud ne voit pas la fin de sa misère. Lui qui a si peur de l'immensité de la mer, croit de moins en moins qu'il pourra retrouver son père. Mais quel malheur s'abat sur moi! Et que sont devenues ma mère et ma sœur sans eau potable? Maudit soit Balthazar! Pendant qu'il est perdu dans ses pensées, les pas de Géraud le portent jusqu'au petit raffio. Je me nomme Salman Nazar, et voici Nabuc, mon coéquipier. Nous cherchons un homme pour livrer une cargaison que nous devons amener rapidement à Alexandrie. Un passant m'a dit que tu souhaitais traverser, n'est-ce pas? Géraud, désappointé, regarde le navire. Il peine à croire que ce bateau flotte toujours. Et malgré tout, il n'a pas d'autre choix. Luttant contre sa peur de la mer, il monte à bord de l'embarcation. Se lève et gonfle les voiles d'un grand coup. L'agitation du petit port disparaît peu à peu à l'horizon. Dis-moi, Salman, connais-tu les marchands d'esclaves ? D'esclaves ? Oh, Nabuc était un esclave. Je l'ai sauvé de justesse. Il me doit la vie. Et c'est pour ça qu'il me suit partout. Les marchands d'esclaves, je les connais bien.
Mais tu ne dois pas t'en approcher, ils sont trop dangereux. Hein. Regardez-toi, tu es frêle comme un cure-dent. Et tu ne sais même pas tenir un sabre. Géraud est affligé plus que toujours, plus que jamais. Même si je retrouve mon père, comment pourrais-je le libérer? Et si je réussis à les libérer, comment pourrais-je nous défendre? Regrettant le bonheur d'autrefois, sa main accroche un petit objet dans son sac. Il se rappelle du petit instrument que Melchior lui a offert et se met à en jouer. Salman et Nabuc n'ont jamais rien vu de tel. Ils sont stupéfaits par cet étrange phénomène. Géraud se penche par-dessus bord et essaie de toucher ces curieuses lueurs. À cet instant, sa main provoque une onde et se met à grandir et grandir. La lumière s'estompe doucement au contact de l'onde. Puis, plus rien. La noirceur de la nuit revient. Une paix étonnante habite les trois hommes qui décident d'aller se reposer. Le lendemain, le bateau n'a toujours pas avancé. Le vent ne souffle toujours pas. Le ciel ne porte aucun nuage et aucun oiseau. Les trois hommes sont là, entre le bleu de la mer et celui du ciel. Ces bleus immenses ne font plus de sens. Qu'as-tu fait là, Géraud? C'est de ta faute! Si nous sommes retenus ici, que dites-vous? Je n'ai rien fait. Je ne comprends rien. Les deux marins menaçant s'approchent et brandissent leurs sabres. Tu vas payer! Pris au piège, Géraud recule au bord du navire quand tout à coup une forme apparaît à l'horizon. C'est une vague! Une immense vague qui se dirige sur nous! Géraud, pris de terreur, s'agit, trébuche et tombe à la mer. Une nouvelle onde se forme autour de lui et se dirige droit sur la vague géante qui se rapproche à vive allure. L'onde et la vague se touchent et se fondent. Un mur d'eau se dresse devant les deux hommes ébahis. Un visage de femme sort alors de cette vague immobile et regarde le petit Géraud. Tu m'as appelé? Géraud reste muet. Géraud, ne me fais pas perdre mon temps. Que veux-tu? Mon père? Bégaye-t-il en essayant de ne pas se noyer. Je cherche mon père. Accroche-toi. Je crois savoir où te mener. La vague soulève Géraud et le remet à bord, tandis qu'elle emporte violemment le bateau qui accélère et accélère. Les trois hommes traversent la mer en un rien de temps.
port d'Alexandrie, la vague s'éteint. À peine a-t-il mis les pieds sur la terre ferme que Géraud n'en croit pas ses yeux. Son père est là, enchaîné sur le quai avec d'autres esclaves. Réo est très mal en point et vide d'espoir, mais il est encore en vie. Géraud s'avance vers lui et crie « Père, je vous ai retrouvé !» Le capitaine du navire s'exclame alors « Ah, c'est ton père ! Emparez-vous de lui !» Avant que les sabres ne soient sortis, Salmanazar et Nabuc reconnaissent les marchands d'esclaves et prennent la défense de Géraud. « Halt ! Si vous, marchands d'esclaves, vous ne laissez pas ces deux hommes sains et saufs, je vous... » Le capitaine attend la suite. « Vous ? Vous quoi ? Vous ! Vous ! Vous allez nous chatouiller les pieds ? Les hommes ricanent. Tout à coup, une houle inattendue secoue le bateau et renverse le capitaine qui tombe à la mer. « Aidez-moi ! Je ne sais pas nager !» Tous les brigands courent à sa rescousse. Profitant de ce désordre, Salman et Nabuc coupent les chaînes de Réo. Les quatre hommes s'enfuient en courant vers le rafiot. J'ai appris bien des choses en cherchant mon père. Père, je comprends que si j'avais écouté mes peurs, je n'aurais jamais pu te retrouver. J'ai compris qu'elles peuvent me cacher ce qui est bon pour moi, alors que plus profond encore, tout est clair et limpide. Réo comprend que son fils a découvert son trésor. Il pose alors la main sur son épaule. Allez. Rentrons chez nous. Ta mère et ta sœur doivent être mortes d'inquiétude. Les deux hommes montent sur le bateau. Et par un ciel magnifique, ils rentrent au pays. Vers le village, donne le temps à Réo de terminer l'apprentissage du pouvoir de l'eau à son fils. Depuis toujours, nous sommes naturellement liés à l'eau. Sans elle, nous ne serions pas là. Sans elle, nous ne sommes rien. Toi, comme moi à ton âge, nous avons dû regarder au fond de nous-mêmes pour découvrir ce que nous sommes. Notre pouvoir est grand, et puisque nous savons trouver les sources, c'est notre devoir de les rendre accessibles et de les protéger. Tu dois faire un choix, Géraud. Sois honnête avec toi-même et demande-toi ce que tu souhaites faire de ce pouvoir.